Salut mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance en restant connectés sur votre chaîne YouTube MyFrica TV. Vous le savez, c'est chaque jeudi à partir de 9h, vous avez droit à une édition. Nous avons décidé de descendre encore sur le terrain pour vous, question d'avoir les impressions de certains riverains. Vous le savez comme nous, que depuis le 31 avril dernier, une note ministérielle annonçait le déconfinement partiel. À l'instar de Timba Mboa, qui va nous donner ses impressions concernant ce déconfinement, est-ce qu'il parvient déjà à garnir son agent? Est-ce qu'il parvient déjà de sortir de la maison pour aller travailler dur pour gagner sa habitance quotidienne? C'est ce que nous devons savoir. Il va nous donner en quelque sorte, en grosso modo, sa part d'impression concernant coronavirus. Suivez-moi chez Timba Mboa. Voilà, nous sommes à présent avec Timba Mboa. Rappelons qu'il est par ailleurs acteur culturel et en même temps, il fait dans la papeterie et librairie. Salut, monsieur Timba Mboa. Comment vous allez, mon frère? Je vais bien. Et vous-même? Par la grâce de Dieu. Ouais, à cause de coronavirus, vous vous trouvez désormais au quartier. Nous avons saisi l'occasion pour voir de tes sentiments concernant la gestion de cette affaire de coronavirus. C'est vrai? Le 31 avril dernier, le gouvernement camerounais, via une note ministérielle, annonçait le déconfinement partiel. Est-ce que le Cameroun était prêt, selon vous? Moi, je pense que cette histoire de Covid-19 a été au départ très mal pensée par le gouvernement camerounais parce que, vous savez, dans un pays comme le nôtre, où les gens vivent au jour le jour, et qui doivent sortir tous les jours pour aller chercher l'habitance journalière, il n'est pas facile de faire un confinement sans des mesures d'accompagnement. Je vais prendre un exemple. La plus grande des mesures qu'on a élaborées pour combattre le Covid-19 était le lavage des mains. J'ai souvent horreur de penser que notre pays a 58 départements dont la majorité porte le nom des cours d'eau. Des cours d'eau, oui. Et que les gens meurent de soif dans ce pays. On dit qu'on lave les mains 50 fois par jour. À supposer, par exemple, que quelques personnes ont de l'eau chez eux. Mais qui va supporter la partie de cette eau à la fin du mois? Puisque celui-là est en confinement, il ne travaille pas. D'autres ont été carrément mis au chômage. Mais où est-ce qu'il va trouver de l'argent pour subvenir à ses besoins? Ne serait-ce que le besoin de l'eau pour laver les mains. Donc je pense qu'au départ, on devrait faire des mesures d'accompagnement et dire par exemple si on doit confiner pour un mois, que ce mois-là, l'eau ne doit pas payer, qu'il n'y ait pas de facture d'eau et que l'État puisse supporter cette facture d'eau. Et vous savez, bon, le Cameroun a une population qui est essentiellement économiste. Les gens ne dépensent pas trop d'eau et l'eau coûte énormément cher chez nous. Donc je pense que ça a été mal pensé. Autre chose, quand ils ont dit on déconfine, il y a un autre qui sort et dit restez chez vous. Il y a un autre qui dit allez au bar. Et vous voyez, on ouvre les bars et on ferme les églises. Vous trouvez ça cohérent? Il y a un problème à ce niveau, justement. Maintenant, les activités, parlant des activités économiques, vous savez, tout est en merde. Moi, personnellement, je l'ai trouvé mieux que de fermer ma papeterie. Puisque l'école est fermée, à qui dois-je vendre quoi? À quoi va servir le bic? À quoi va servir le cahier? Les formats? Je vais vendre à qui? Pourquoi faire? Les élèves sont au quartier. Moi, je me dis, après le Covid-19, va naître un autre virus qui sera le virus de la famille. Les gens auront bien faim. Parce que celui qui aura amassé a pris le temps de confinement tout, pour tout vider. Donc, je pense que attendons-nous à une misère, à une catastrophe de misère. Justement, M. Timba, il s'annonçait désormais que nous allons reprendre avec les cours. Est-ce que vous trouvez déjà que ça va déjà être un avantage pour vous qui avez fermé, pour vous qui n'avez plus pensé à vendre un maigre papier dans votre papeterie? Est-ce que vous allez rouvrir votre papeterie? Dans tous les cas, je ne suis pas de ceux qui, pour de l'argent, est prêt à sacrifier une vie. Parce que j'appelle ça rentrer suicidaire. Vous comprenez? Je ne sais pas. On a toujours dit la vie est la seule chose
qui est plus cher à un homme. Si on doit sauver la rentrée scolaire au dépend de la vie, moi je ne trouve pas ça normal. Mais est-ce que si on met les mesures d'accompagnement dans ça, pour ce qui est de la rentrée, si les enfants sont protégés, s'il y a les gels pour laver les mains, s'il y a de l'eau, s'il y a tout, est-ce que vous pensez que ça peut aller quand même? Je vais d'abord vous dire une chose concernant les mesures barrières. Vous savez, un médecin nous a fait savoir que le cache-nez sera à l'origine de beaucoup d'autres maladies. Maladies de respiration, des maladies respiratoires. Mm-hmm. Puisque vous ne pouvez pas inspirer un gaz haineux et l'inspirer en même temps. Ça va vous créer une maladie cardiaque, une maladie thoracique. Mm-hmm. Donc, ceux qui disent que les enfants doivent aller à l'école avec le cache-nez, et vous connaissez comment les enfants sont. On ne doit pas mettre un parent derrière chaque enfant pour lui dire ne touche pas ton camarade. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je trouve qu'on aurait dû sacrifier cette année scolaire pour que les gens soient en vie et que le corona pas et la vie reprend en bon terme. Donc pour moi, je ne suis pas très d'accord pour cette rentrée suicidaire. Voilà. Pas d'accord. Maintenant, à côté d'être responsable de papeterie, Timba est par ailleurs un artiste humoriste bien reconnu. Timba, comment se porte votre art? Bon, l'art est mort, hein. L'art est mort. Vous voyez, on dit, moi je suis un gombiste, hein. Je fais des mariages, on me faroute. Vous voyez, aujourd'hui on dit, on ne veut pas un regroupement de plus de 50 personnes. Vous voyez une salle qui va prendre peut-être 200 invités et qu'on vous dit, on veut autre 25 invités. Tu vas y rester. Combien est-ce que tu auras comme cachet, comme gombo? On va te faroter combien? Et en plus, les gens en ont profité pour faire des mariages, un peu un genre. Tu entends seulement que tel s'est marié. Vous voyez, il y a profité maintenant pour glisser. Et ça nous fait mal, hein. Ça me fait mal. Vous comprenez? Ça fait pratiquement plus de 2 mois. Je n'ai pas eu 5 ans de faroutage. Vous voyez, je vis comment? Voilà, papeterie est fermée. L'art est bloqué. La mort. Mais comment on fait pour gérer la maison? Ah, mon frère, quelqu'un a dit, Dieu ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel. À plus forte raison, nous les hommes. Malgré qu'on a un pays qui est plein de vertus, on peut cultiver le riz partout, même sur nos toits. Mais le gouvernement a décidé qu'on va importer le riz des chiens pour que nous mangeons. Bon, c'est hop, c'est débrouillé avec. 2 verres de riz pour 8 personnes. Ça. À côté des mesures éditées, est-ce que, vu également les autres pays voisins, quelle comparaison faites-vous dans la gestion de cette affaire de Covid entre le Cameroun et d'autres pays de sous-régions, quoi? Bon, vous savez, notre pays a toujours montré son incapacité à prendre des choses en main, même la crise sanitaire. Vous voyez, on se met à Mondovision, on nous dit, on a débloqué, je ne sais pas si c'était un don ou c'est quoi, 2 milliards. Pour tout un pays de plus de 23 millions d'habitants, 2 milliards pour essayer de combattre le Covid-19. J'ai l'impression, je me pose la question de savoir, si nous mourons tous, les gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il y a des pays qui ont sorti énormément d'argent pour combattre le virus. Mais chez nous, on achète la voiture des députés à 4 milliards. Mais on combat le corona dans tout le Cameroun avec 2 milliards. Vous trouvez ça sensé? Vous trouvez sensé? Vous vous rappelez, l'année passée, il y a eu un don du chef de l'État, 1 milliard pour accompagner quelques musulmans à la Mecque. 1 milliard de francs. Quelques musulmans à la Mecque, don du chef de l'État, 1 milliard. Mais pour tous les Camerounais, on dit 2 milliards. Il y a aussi quelque chose qui m'écœure dans cette histoire. On dit souvent, même quand ton ennemi meurt, tu vas au deuil. Et tu arrives là-bas, tu pleures en disant, je vais encore engueuler qui? Quelqu'un a dit, je veux partager le cache-nez. On dit, tu ne partages pas. Mais je me demande à quoi il joue. Il joue à quoi? Le Covid-19 ne connaît pas l'échéance politique. Le Covid-19 ne connaît pas les partis politiques. Le Covid-19 ne connaît pas la tribu. Vous comprenez un peu? Ça dit que notre
combat contre le Covid-19 a été préalablement politisé. Et pourtant, le Covid-19 ne tue pas celui qui là-bas. Hein? Ça ne tue pas. Vous voyez un peu. Vous avez longtemps crié que votre président il est absent, il n'a pas répondu. Est-ce que sa sortie du 19 mai passé vous a donné une sorte de consolation? Non, le problème n'est pas de savoir s'il sort ou bien. Le problème, c'est qu'il soit actif. C'est qu'il soit actif. J'ai été... Il y a des ministres déjà sur le terrain. Non. Vous appelez quoi ministre? Des ministres qui ne peuvent pas s'entendre. Des ministres qui ne sont pas cohérents. Hmm? Vous avez vu dans ce pays comment il s'agite. Je vous ai dit à l'entame de mes propos qu'il y a eu ce qu'on appelle une embrouille totale. Il y a un ministre qui dit restez chez vous, l'autre dit sortez. Allez, ouvrez les bars. L'autre dit, quand vous dites restez chez vous et vous ouvrez les bars, ça veut dire quoi? Tu comprends pas? C'est un jeu de mots. Et puis, j'ai oublié de vous dire, vous êtes allé au marché de Dombasi. Vous avez vu le monde qui est là-bas? Vous avez déjà fait un tour. Vous avez déjà fait un tour au Carrefour Yassa pour voir le monde qui est là-bas. Vous avez fait un tour au marché Bonhomme Saint pour voir le monde qui est là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on appelle quoi distanciation sociale? Hein? On empêche les gnôleurs d'aller boire leur bière. Et on ne parle, on ne dit rien de ceux qui sont entassés au marché. On empêche quelques personnes d'aller prier à l'église. Hein? Parce qu'on sait que bon, l'église, ça ne paye rien, ça ne paye pas les impôts. Alors ouvrons les bars parce que si demain on va là-bas, ils vont dire que nous on n'a rien vendu, on ne paye pas les impôts. Vous voyez, c'est ça. On amène les Camerounais à l'abattoir. Et du coup, on demande aux enfants de rentrer à l'école parce qu'il faut sauver l'année scolaire. Mais entre sauver l'année scolaire et sauver des vies, vous préférez quoi? Sauver les vies. Moi j'ai dit, on ne gagne pas toujours sa vie parce qu'on a eu le baccalauréat ou le probatoire. Imaginez-vous, vous voulez sauver l'année scolaire en envoyant l'enfant aller sur la route de l'école, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il touche, et il rentre en famille. Vous imaginez ça? Et quand il rentre en famille, vous êtes 12 à la maison. Et vous partagez son corona scolaire, et vous allez partager ça aussi au marché. Et du coup, du marché, on va partager. Eh bien, ça va prendre tous les coûts sociaux, hein, monsieur. Ça prend tous les coûts sociaux. Timba, nous sommes Bantou. J'aimerais que vous regardiez cette caméra et que vous parlez, que vous dites, vous sensibilisez d'ailleurs les gens de chez vous en votre langue première. Ma langue première? Il y a plusieurs langues premières. Celle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Ah! Vraiment, je vais réfléchir et choisir une langue au hasard là, parce que je suis Camerounais de tout bon. Hein. Allez bon, comme nous ne corona pas là. Bon, pour mon dos, donc, paiement tu me l'as le paiement fin d'amdien, je Merci à Timbaboa. Merci beaucoup. Nous avons ouvert son cœur pour que nous puissions échanger concernant le coronavirus. C'est moi qui vous remercie. On est en salle, on fait comme ça. Rappelons que nous avions derrière la caméra Thierry Keke qui jouait sa partition. Vous avez la réalisation de Laurent Eboué. À très bientôt.